Donc on sort d'une semaine de folie avec en 7 jours 4 rencontres. Bon, on a un noyau large, donc il fallait donner l'opportunité à tout le monde de se mettre en évidence. Donc 4 rencontres, la première face à Manage où on a été bon dans la circulation du ballon, il y avait quand même encore une bonne fraîcheur, donc on a été dynamique, on l'a remporté 1-2 avec de nombreuses occasions. Ensuite, on a été à Anhouet le samedi soir où on a fait un match extraordinaire, un match référence pour moi au niveau de la préparation parce qu'on a vraiment été hyper dominant et bien dans ce qu'on fait. Quoi. Donc beaucoup d'occasions, une très belle circulation du ballon, une agressivité positive, un pressing haut et intense. Donc je suis sorti de ce match avec beaucoup de certitude pour le début du championnat. Ensuite, un match de trop à mon avis, donc le lundi contre le Saint-Symphorien parce que je voulais faire tourner mon noyau et puis des petites blessures qui sont ajoutées, donc j'ai dû faire jouer d'autres joueurs. Et puis quand on s'engage avec une équipe pour sa préparation, ben on assume et on joue. Et donc c'est un match qui a pesé lourd dans les jambes. Et on a pu se rendre compte aujourd'hui en deuxième mi-temps où les garçons étaient, j'ai envie de dire, pas carbonisés, mais loin. Et plus il y avait plus, on savait plus faire ce petit mètre en fait, qui est aussi notre force. Donc une préparation qui a quand même été très intense, très positive dans l'ensemble. Ici maintenant, on va laisser la place à la. On va enlever le volume, on va mettre beaucoup plus sur l'accent sur la qualité. Et donc, on va laisser aussi des grosses zones de repos pour pouvoir être à 100% le 25. Mais pour moi, aujourd'hui, les choses sont claires. Maintenant, l'état de forme à l'entraînement sera aussi important. Mais je crois que c'est clair. On va être bien le 25. On sera prêt.